C'est un espace de nettoyage très vite. Les enfants ont pu explorer un tas de choses. Et d'ailleurs, je crois que de 11h30 à midi. Comment tu t'appelles ? Mélina. Et tu es de où ? Tu es de Belgique ? Je suis grecque, mais je suis en Belgique. Et toi ? Moi, je suis belge. Belge, comment t'appelles ? Georgia. Georgia et Mélina. Qu'est-ce que l'Europe a fait pour les enfants durant cette législature en Europe ? Peut-être que vous avez entendu parler qu'il y a eu des jouets qui étaient très dangereux. Par exemple, quelques jouets qui étaient importés de Chine et qui étaient dangereux. Et donc, nous avons établi des standards, des niveaux de sécurité de ces jouets pour la protection des enfants. En général, pour la jeunesse, c'est pour plus d'éducation, pour que quand vous puissiez après étudier, avoir trouvé un emploi, faire les choses que vous aimez faire dans l'avenir. Est-ce que c'est facile de s'entendre et de prendre des décisions à 27 pays ? C'est une question très importante. Quand nous étions 15 et nous sommes devenus 27 pays maintenant, et c'était dans cette commission, pour la première fois que nous avons 27 pays. Et je peux te dire qu'au début, beaucoup de gens disaient « ça ne va pas marcher ». La vérité, c'est que nous prenons les décisions par consensus, ça veut dire qu'il y a là, nous sommes 27, par exemple, moi je suis portugais, lui Michel est belge, mais il y a un commissaire de chacun des pays, et on prend la décision pas en pensant simplement dans notre pays, mais dans l'ensemble de l'Europe. Et la vérité, c'est qu'on arrive toujours à un accord. L'Europe, pour vous, à quoi ça sert ? L'Europe, ça sert à assurer la paix à tous ces gens qui vivent en Europe. Il n'y aura plus jamais la guerre en Europe, ce qui est extraordinaire quand même. Et puis, ça sert aussi à être plus fort pour affronter, par exemple, les grands défis, les grands problèmes d'environnement, par exemple, le prix de l'énergie, par exemple, la lutte contre le terrorisme, plus de sécurité en Europe. Donc ça sert vraiment à tout l'Europe, et surtout, ça sert à tous les citoyens. Ça sert à être plus fort devant le malheur et devant les problèmes. Bon, merci, hein, et bonne chance pour vous.